sur le grand écran de la télé ou partout où vous voulez. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Avec la nouvelle console de salon à emmener partout. Nintendo Switch, le 3 mars. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de unboxing. On commence très fort cette première collection de vidéos avec le déballage de la nouvelle console de Nintendo, la Nintendo Switch, qui est sortie aujourd'hui, vendredi 3 mars 2017. Nous avons aussi le merveilleux, magnifique jeu Zelda qui est incontestablement le jeu qu'il faut avoir au moment de la sortie de la console. C'est vraiment un hit en puissance. Imaginez jouer à Zelda sur une console plus ou moins portable. C'est vraiment une petite merveille. Et puis nous avons aussi reçu en exclusivité Nintendo un petit cadeau qui est un cadre 3D justement sur Zelda. On commence par le petit, la petite boîte, celle du jeu Zelda Breath of the Wild. On remarque qu'à l'intérieur on retrouve en fait des mini cartouches, sorte de carte SD, un petit peu comme l'avait fait d'ailleurs à l'époque Sony avec sa PS Vita. Donc fini le support cartouche en lui-même, fini le CD. Maintenant place aux petites cartes de forme SD pour les jeux. On va attaquer le plus gros, évidemment, le plus intéressant, c'est la console. Alors on va l'ouvrir, je vais découvrir avec vous son contenu. Là, on va l'ouvrir délicatement. On remarque d'ailleurs que tout de suite à l'intérieur, nous avons ici pas mal d'explications sur l'installation de la console en elle-même. On l'ouvre en grand et voilà la bête, en fait, qui est assez lourde. Moi, je trouve quand même que l'écran lui-même, prise en main, est quand même assez importante. Voici la console, en fait, qui est tout simplement une sorte d'écran tactile, un peu comme les... tablette numérique, jolie définition, hein, en noir comme ceci, la prise en main est assez convenable, mais on remarque quand même un léger poids. Moi, j'avais lu quelque part comme quoi elle était assez légère, mais mine de rien, je trouve quand même que c'est un certain poids. Nous avons ici en fait les fameuses petites manettes de différentes couleurs. Alors il existe deux versions, hein, ces versions là et version toute grise, identique à la version de la console au point de vue couleur. On va continuer un petit peu le déballage. Voilà. Alors nous avons ici les dragons, un peu comme à l'époque aussi de la Wii, les dragons qui permettent donc de s'adapter sur les manettes pour certains jeux, un petit peu comme les jeux de Just Dance par exemple. Ça sera beaucoup plus pratique, évidemment, par raison de sécurité, de les avoir au poignet. Nous avons aussi ceci. Alors, ça, ça ressemble étrangement d'ailleurs à une manette. C'est en effet le cas pour pouvoir adapter les J-Con dessus pour obtenir des manettes tout simplement assez classiques pour jouer au jeu sur la console, à la fois branchée à la télé ou sur la console qui est portable, que l'on peut, vous voyez, par l'intermédiaire d'un petit pied à l'arrière, que l'on peut poser comme ceci, et à ce moment-là, on peut jouer tranquillement devant son écran, l'écran de la console. Je continue le déballage. Voilà, ça c'est la station de service, on va dire. C'est le bloc qui vous permet en fait de relier la console directement sur le téléviseur. Voilà, qui est une très belle définition, hein, avec la marque Nintendo, Nintendo Switch et la marque Nintendo derrière. Donc cette station d'accueil posée tout simplement à côté du téléviseur vous permet d'enclencher tout simplement la console dedans de façon à ce qu'elle se recharge et surtout de pouvoir jouer sur le téléviseur. Alors on a un petit petite fermeture derrière qui est assez pratique. Ça cache un petit peu les câbles, puisqu'on a bien sûr la prise USB, le câble HDMI qui est fourni bien sûr dans la console, et puis évidemment l'adaptateur secteur. Une fois les câbles branchés à l'intérieur, on referme et ça cache un petit peu les câbles, parce que c'est vrai que les câbles à force, c'est pas toujours très joli à voir. Donc très belle station d'accueil aussi, un petit peu lourd, enfin un certain poids, et donc qui permet aussi
de recharger la console. On remarquera que sur les côtés, on a aussi des ports USB sur le côté de la station. Alors, pour en revenir sur l'autonomie, d'après ce que l'on sait actuellement, il faut compter en portable une autonomie d'à peu près entre 2h30, 3h pour le jeu Zelda. Alors, ça peut paraître peut-être un petit peu limite. 3h, on aurait aimé avoir peut-être vraiment 4. Mais ceci dit, passer déjà 3h même sur un écran comme ça à jouer à Zelda, ça peut être aussi fatigant à la fois pour les yeux. Et puis peut-être aussi un peu pour le fonctionnement des manettes, qui sont petites, hein. Donc 3 heures à jouer avec le pouce adapté dessus sur les touches, ça me paraît là aussi peut-être largement suffisant. Sachant qu'évidemment il y aura des jeux beaucoup plus simples à utiliser, comme d'ailleurs entre autres le Bomberman, qui nécessite beaucoup moins de puissance de la console, et à mon avis on risque d'avoir une autonomie beaucoup plus importante. Je continue le déballage de la console. Avec cette fois-ci côté gauche de la boîte, bien sûr, l'alimentation, bon, classique, hein, rien d'extraordinaire. Et puis un câble HDMI qui est fourni pour brancher évidemment sur votre téléviseur. Voilà la petite notice, évidemment, d'explication. Ça me paraît très honnêtement vraiment très très simple d'utilisation, très rien d'extraordinaire, vous voyez, paf, c'est instructif tout simplement, il suffit de glisser. Voilà, et on a la console en version portable. Voici la Nintendo Switch. On va l'allumer pour voir si elle a un petit peu de batterie. Voilà. Et ben oui, elle a un petit peu de batterie. Vous voyez, on la met en route. Nintendo s'affiche. Nintendo Switch. Voilà, le petit clic. Le petit son. Et la console telle qu'elle est déjà disponible pour pouvoir jouer en mode portable. Voilà pour cette première vidéo de unboxing réservée uniquement à la Nintendo Switch. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'essayer et puis on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, à très bientôt.